Mais ils étaient soyeux quand elle était bébé. Nous sommes sauvés. Il faut que nous parlions entre femmes. Dans mon bureau, vite. Prenez vos croquis. Maintenant, chérie, parlez-moi de ces taches. J'ai fait du léopard dans les années 80. Les taches du dalmatien sont assez différentes. Elles ont une chaleur. Douceur. Très classique. Moins ordinaire. Tout à fait. Est-ce que vous êtes pour les taches, Frédéric? Oh non, madame, je ne les aime pas cette saison. Nous sommes pour les rayures. Dites-moi, quel genre de flagorneur êtes-vous? Quel genre? Le genre que vous voudrez, madame. Frédéric. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh non. J'ose la question ne se pose pas, je n'ai pas encore rencontré le prince Charles. Dieu soit loué. Il est temps de me remettre à l'ouvrage. Oui, faites donc. Alonso. Le croquis. Oh. Peut-être dans une matière comme le nôtre, ce sera éblouissant. Si c'est une fourrure. Porterai ce modèle au trophée Chesterton en avril prochain. La fourrure ne sera plus de saison. Mais elle est mon unique raison de vivre, chérie. Elle est ma seule passion. Je suis folle de la fourrure. D'ailleurs, est-il une femme qui n'en raffole pas dans l'exécrable monde où nous vivons? Remettez ceci à Anita. Oh.